Tu devineras pas avec qui je clavarde. Avec qui? Chloé, elle te dit bonjour. Ah, salut! Dis-lui que j'ai pensé à elle ce midi. Ben, c'est parce que j'ai mangé un sandwich au fromage suisse. Fromage suisse égale Chloé, ok? Qui veut venir magasiner avec moi? Oh, j'ai pas eu ma paie encore. Moi, je l'ai eu. Tadam! Chanceuse. Mon premier chèque. Combien t'as eu pour jouer à la fée des étoiles? Faire la fée du Père Noël dans un centre commercial, tu sauras que c'est pas un jeu. C'est un vrai travail. Ah! Il en manque! Combien d'heures t'as travaillé? 32,5. Multiplié par 8 $ de l'heure. 8 $, c'est ça? Ben, on fait le même travail. Ça fait qu'on gagne la même chose. OK. C'est 260 $. J'ai 168,20. Ben, peut-être que la personne qui fait les pains s'est trompée. Regarde sur le talon de ton chèque. S'il enlève de l'impôt ou autre chose, c'est écrit là-dessus. J'ai rien avec le chèque. Tout ce que j'ai, c'est moins d'argent pour aller magasiner. Ah, ben, gadon, vous autres, vous avez un air de personne volontaire, hein? Moi, je suis volontaire pour retourner voir mon patron. Ben, tout le monde. Ben, il reste vous deux, hein? Mes aides de camp fidèles et dévoués. Désolé, M. Mongeau, mais on parle avec Chloé sur Internet. Ben, justement, si toi, Simon, tu t'occupes de la salle pour demain et que toi, Kim, tu t'occupes de faire les sacs de friandises pour les enfants, eh bien, moi, André Mongeau, je vais pouvoir clivarder avec ma belle Chloé, hein? Allez, marche. Voilà. Clavarder, M. Mongeau. Clavarder. Cerise. Hein? Et ensuite, voilà. Voilà. Et voilà. Monsieur Mongeau, sont où vos sacs et vos bonbons? Juste là. Prenez des vacances. Oui. Allez-vous partir en voyage? Eh bien, maintenant que t'en parles, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous allez faire à Noël d'abord? Hey, c'est vrai ça, où est-ce qu'on va réveiller? Ben, j'ai pensé qu'on pourrait fêter ça ensemble, toi et deux, en gars, là. Ben, c'est un peu plate, juste à deux. Ben non, on regardait des films en cassette, des films en DVD, puis des films à TV. C'est poche, ça. On pourrait louer un chalet puis aller faire du ski à la place. Ah, oh, tu sais, Antonin, là, depuis que je suis séparé d'avec Janine, là, j'ai plus vraiment le cœur à ça. Ben, je veux pas qu'on se retrouve à regarder la messe de minuit à télé en mangeant de la pizza congelée. C'est bon comme idée, ça, non? Je vais aller faire les sacs de bonbons pour la fête communautaire. Tu m'en garderas un, s'il te plaît. C'est peut-être tout ce que je vais avoir à faire à Noël, manger des bonbons. Oh, Antonin, exagère pas. Tu sais très bien qu'on va jouer aux dames puis aux échecs ensemble. Je t'ai juste venu dire que j'avais fini de classer les denrées non périssables dans l'atelier. T'as fait ça vite, c'est super, ça. Puis quand Simon m'a dit qu'il devait décorer la salle, ben, j'ai dit que t'avais une boule d'hélico. Ça fait que... Ah, non! Là, il va venir me l'emprunter, là. Mais t'es mieux de la porter pour le Noël communautaire d'ici, parce que ça n'a pas l'air que c'est chez nous qu'elle va servir. Ah, oh, ben, ça me bonit. C'est cool que tu m'aides, Garibald. C'est toi qui gentiment fourni une excuse pour pas aller magasiner avec ma mère. Ah, c'est vrai, je me rappelle, moi aussi, quand Victoria voulait m'amener acheter des pantalons, je me sauvais. Ça, tu me comprends. Ah, mais si M. Mongeau nous prête sa boule disco, on pourrait l'accrocher juste au-dessus, ici. Ah. Mais attention, bougez pas trop vite, là, c'est fragile, ça. C'est quoi ça, un bol à punch? Comment ça, un bol à punch? Dites-moi pas que vous avez l'intention de boire du punch alcoolisé à la soirée de demain, là. Non, j'ai dit bol à punch, mais je voulais dire bol à chip. Ni un, ni l'autre, hein. C'est ma boule de séduction. La boule de quoi? De séduction. À chaque fois que j'ai dansé en dessous de cette boule-là, il y a une femme qui tombe en amour avec moi immédiatement. Ben, c'est une blague, c'est ça, M. Mongeau? Pas du tout. En 1982, là, alors que j'étais vêtu de mes pantalons blancs ajustés, avec une chemise noire en collet en V, là, eh bien, c'est la belle Angela qui a succombé à mes charmes. Angela. Oui, Angela. Pas en 88,
c'était autour de la main d'Antonin, là, puis de Chloé. J'espère que ma grand-mère a pas dansé en dessous de ça. Puis il y a 2 ans, ben, c'était la plus belle de toutes. Ma Janine. Ben, c'est gentil de nous la prêter, monsieur Mongeau. On va en prendre bien. On va en prendre bien soin. Correct, correct, correct. Si je vous la prête, là, c'est parce qu'Antonin a beaucoup insisté. Je vous laisse. Moi, là, juste d'imaginer mon jour danser sur du disco, là, j'ai un fou rire qui me monte. Avec mes pantalons blancs moulants pis ma chemise en V, là. C'est tout. Oh. Ça sent le chauffer. Ça fonctionne plus. Oh non. On n'a pas le choix, il faut en acheter un autre moteur. Mais dites-moi, en classe économique, là, est-ce qu'on a le droit à de petits chocolats? Hein? Et le film à bord de l'avion, là, c'est quoi? Ah! J'espère qu'on nous sert au moins du pop-corn. Oh! Oui, oui. Oui, de toute façon, je vous l'appelle. Oui, c'est ça. De l'eau. Monsieur Bonjour, je voulais savoir, est-ce que vous auriez un budget pour que je puisse acheter des décorations pour la salle? Ah oui, j'ai justement une boîte de guirlandes juste là, Simon. Avec quoi je vais pouvoir acheter un nouveau moteur, moi? Mais tu sais, Simon, lorsqu'on a ma boule disco, on n'a pas besoin de rien d'autre. Kérine, Kérine! Kérine, ma belle Kérine, viens ici. Je pense que Kim aurait besoin d'aide. Hein? Elle doit faire 235 sacs de bonbons. Ben, ça en prendrait 236 parce que j'en veux un pour me remonter le moral. Qu'est-ce qu'elle dit, ton patron? On dit que l'argent qui manque sur ma paye, c'est pour payer la location de mon costume de fée. Ah, ouais? Mais en plus, là, il est super laid, ce costume-là. On dirait qu'il a été fait avec des morceaux d'essuie-tout pis des bouts de papier de toilette. Mais il n'a pas le droit de faire ça, ce monsieur-là. Non. Mais non. Il y a une loi qui stipule que si ton employeur exige que tu portes un costume ou un uniforme, ben c'est à lui de le payer. Peut-être que c'est une trop petite entreprise pis qu'il n'y a pas le choix. Ben, dans ce cas-là, mon Simon, Corinne a le droit de porter ce qu'elle veut pour aller au travail. En tout cas, j'aurais pas mal plus de goût que lui. Pis toi, Simon, est-ce qu'il y a un vœu que t'aimerais exaucer? Avoir un moteur neuf pour une boule disco quétaine. Mais ça a l'air compliqué. Non, mais ça nous prendra pas un nouveau moteur. C'est l'engrenage qui est bloqué. Hein. Peut-être que j'aurais dû juste le dire à mon jour. Ah oui, ben oui. Puis qu'on risque à se retrouver à laver les planchers du centre des loisirs avec une brosse à dents. Ouais, t'as peut-être raison. Bon! Oui! Salut, vous autres! Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Faites quoi? On relaxe. C'est drôle, on dirait que vous êtes stressé. Tu veux me voir, Antoine? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici à Noël? Un réveillon, je pense bien. Ouais. Mais j'avais pensé qu'on pourrait peut-être faire ça avec nos deux familles. Tu veux dire toi puis ton père? Oui. Antoine, c'est parce que ma grand-mère va être ici. Ah. Puis un bonjour en peine d'amour, ça doit pas être bon à voir. Excusez-moi, les garçons. Je pense que j'ai un petit peu trop pleuré. Hein? Ah, c'est correct. Ça doit pas être facile d'oublier Janine. Janine! Janine! L'espérance, c'est pas facile à oublier. Attendez, je t'inviterais bien toi tout seul, mais ton père vit une peine d'amour. Je crois pas que ce soit une bonne idée de le laisser tout seul. Non, c'est vrai, t'as raison. Je vais passer un Noël poche. Hey. Moi, j'ai en Ontario dans ma famille. C'est 14 heures d'auto, mais vous pouvez venir si vous voulez. Bof, je pense pas. Merci quand même. Bye. Allez. Minutes puis j'ai fini d'arranger ça. Parfait. Comme ça, ça va nous donner le temps de l'installer avant que mon jour se doute de quelque chose. Hein?
Ah non, c'est pas ça le problème. T'es pas sérieux? Là, ça va vraiment nous prendre un autre moteur. Mais moi, j'ai pas de reproche à lui faire. Pas encore, mais attends de voir ton chèque, tu vas voir. C'est peut-être parce que ça fait plus d'heures que tu fais le costume. Pis toi, tu trouves ça correct? Non, c'est sûr. Mais je pense surtout que ça vaut pas la peine de se faire une réputation de chialeuse quand il nous reste seulement 3 jours à travailler. Parce que c'est pas lui qui est voleur, c'est moi qui suis chialeuse. Karine, si on passe pour des employés à problème, il n'y a aucune boutique autour qui va vouloir nous engager après ça. Monsieur Demers nous vole de l'argent, puis toi, tu dis que c'est nous qui causons des problèmes. Monsieur Mongeau me l'a dit. Il a pas le droit de faire ça. Moi, je ne laisserai pas faire, c'est certain. Mais même on part à tes affaires. Tant que tu veux pas lui demander un service, parce qu'elle pense juste à elle. J'ai assez de problèmes aujourd'hui, mêlez-moi pas à vos chicanes de filles. Où t'as mis mon costume? C'est moi qui paye, mais c'est ton costume. Niaise pas, je travaille à 4h30. Ça m'énerve! Ça a l'air sérieux, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas trop compliqué. Tu viens me voir? Ton chien robotique, là, il y avait un moteur dedans? Est-ce que tu l'as encore? Pourquoi? Pour rien. Galibob, mon petit Galibob. On en a la moitié de fait. Je vais aller les porter dans votre bureau. La moitié déjà? Et vous faites une bonne équipe, les filles. Non, je vois pas ma boule de séduction. Vous l'avez pas installée encore? Est-ce qu'il y a un problème? C'est moi qui en ai un problème. Il y a une très jolie dame qui est prête à succomber à mes charmes. Pis toi, t'as toujours pas réparé ma boule de séduction. Gretzky, dans ce cas-là, essaye de faire de ton mieux au moins. Hein? Musique! Je me demande ce qui me donnerait vraiment mal au cœur, tourner comme une boule ou le voir danser du disco. Non, 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 il n'y a pas de problème. On n'a juste pas encore eu le temps. Bon, ben ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais, dis-moi, Garibom, toi, là, t'as déjà voyagé en classe économique? Oui. Ah, je sais qu'ils ne servent pas de petits chocolats, mais sais-tu s'ils nous servent des petites gâteries festives dans l'avion? Non. Ah, mais vous pouvez demander des bonbons à Kim, ça va faire pareil. Vous partez en voyage? Oui, c'est un secret. Tu dis à personne. Kim, je vais t'en prendre les sacs. Monsieur Mongeau, si tout le monde m'en prend un tout de suite, il va finir par m'en manquer. C'est parce que c'est pour une bonne cause. Qu'est-ce qui peut être aussi important que Noël communautaire? Eh bien, mon voyage. Vous partez. Je le savais. Ben, je pars pour 2 belles semaines. Est-ce qu'Antonin sait que vous partez en voyage? À vrai dire, non, je sais pas trop comment y annoncer ça. Je suis certaine qu'il va bien le prendre. Attends, je vais t'aider. Merci. Il va falloir que tu finisses les bonbons sans moi parce que je dois aller travailler. Je te dis que l'entraide, tu t'étouffes pas avec. Au contraire, je veux pas que ni toi ni moi, on perde notre emploi. Donne-moi le costume, s'il te plaît. Non. Karine. Je veux que tu m'aides. Si on se met à deux, il va être obligé de le payer. Je vais aller travailler sans costume d'abord. Le patron fait des choses illégales, puis toi, tu l'encourages. Peut-être qu'il fait ça chaque année, Kim. Il vole des jeunes parce qu'il sait qu'ils ont peur de se défendre. J'ai pas peur. Ben, on dirait pas. Moi, je me laisserai pas faire, en tout cas. Tu l'appelles? T'es folle? Bonjour, M. Demers. C'est Karine Blanchard. Je vous appelle pour vous dire que je me suis informée et puis c'est l'employeur qui doit payer le costume ou l'uniforme d'un employé.
Ben, j'ai une loi qui dit ça. Vous êtes obligé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une mise à la porte. C'est pas ce que mon jeu m'a dit tantôt? Non? Il part en voyage pour Noël, mais il veut garder la surprise pour Antonin. Il y en a qui sont chanceux. Ça, là, ça fonctionnerait encore si Nathan avait pas caché son sandwich à crème glacée dans le compartiment des piles. Ah, mais ça, par exemple, mon auto de course, il y aurait un moteur là-dedans. Mais la boule tournerait pas mal trop vite. Non, tu dois voir autre chose. Ça? Non, ça... Ça, c'est... C'est mon robot espion. Espion? Ouais, il y a un détecteur de mouvement dedans. Je le mettais dans ma chambre, puis il sonnait, puis l'alarme sonnait quand c'est une entrée. T'en as plus besoin d'abord. Ah non, donne-moi là, je veux le garder. Il y a sûrement l'engrenage qu'il nous faut dedans. Oui, mais on trouvera autre chose. Quoi? Ben, c'est bon ça. Il y a quelqu'un? Ouais, ici. Salut. Ça va? Ça va être le pire Noël de toute ma vie. Pour toi? Une excuse d'inciter Simon, mais j'aimerais vraiment ça venir chez vous pour le réveillon. Mais je pense pas qu'il va y avoir assez de tourtières pour tout le monde. Ah, mais il y a juste à pas manger beaucoup. Mais quand on chante toute la famille ensemble, ça serait pas beau, Antonin Fausse. Je sais pas si c'est des blagues que vous essayez de faire, là, mais c'est vraiment pas drôle. Excuse-moi, Antonin. La vraie raison, c'est que il va y avoir tellement de cadeaux dans la place que tu pourras pas t'asseoir nulle part, de toute façon. Pourquoi vous êtes aussi méchant? J'aurais jamais eu un Noël aussi triste, puis vous, vous riez de moi. Antonin, on te niaise! C'est toi qui vas avoir le plus beau Noël. Ouais. Comment ça? Ton père m'a dit que vous partiez en voyage. Non, t'as mal compris. Il part en voyage, tout seul. Quoi? Bon, c'est sur quoi que M. Mongeau nous avait dit de cliquer? Emploi. OK. Puis après ça, c'est normes du travail. Ouais, c'est ça, me semble. Ah! Oh là! Formulaire. Formulaire de plainte. OK, ouvrir. Est-ce qu'on remplit à deux? Je vais pas le signer. C'est correct. Je sais même pas s'il m'enlève mon temps, moi. Mais non, c'est correct, Kim. Attends. Ben là, t'es pas obligé. Oui, monsieur Demers? Oui, c'est Kim. Je travaille à 4h30, mais avant d'y aller, je voulais savoir si moi aussi je payais la location du costume. Ah. Ben dans ce cas-là, attendez-moi pas, parce que je rentrerai pas travailler. Vous avez pas le droit de faire ça. Puis on va porter plainte au nom du travail. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? S'arranger? Comment? Allez-vous le payer à Karine Blanchard aussi? Vous le payez aux deux ou vous n'avez pas de fée des étoiles ce soir? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il va payer le costume. Puis on finit nos trois jours. Mais il a aussi dit de nous trouver un autre travail pour l'an prochain. Fais-toi t'en pas, on va en trouver un bien meilleur. Où est-ce qu'il est, Simon? Il est parti ouvrir la porte. Ouais, ouais, il est dans la cuisine. Cristobal, les gars, va falloir que vous changiez d'air, hein? Parce que le Père Noël ne vous apportera pas de cadeau. En parlant de ça, M. Mongeau, j'ai invité Antonin à venir passer Noël ici. Hein? Ben non, il peut pas. Après ce que vous lui avez fait, vous pouvez pas l'empêcher. Mais comment ça? Je t'ai entendu pas quand tu dis à Kim que tu savais pas comment m'apprendre la nouvelle. Ah, ben, Gretzky, il va falloir tirer les choses au clair, là, parce que je pense qu'il y a de la brume dans les lunettes de tout le monde. Attendez-moi deux petites minutes, je vais aller chercher quelque chose dans ma chaîne. Antonin, je sais pas ce qui va arriver, mais je te laisserai jamais passer Noël comme un rejet.
Au pire, t'embarques avec nous dans l'auto pour les 14 heures. Ma famille est super accueillante. Merci. Tiens, puisque c'est comme ça, je vais devoir te donner ton cadeau de Noël tout de suite. Pas très bon en sudoku, hein. Merci. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça va te permettre de patienter dans l'avion. Dans quoi? Ben, c'est au moins 7 heures d'avion aller dans les Europes, hein. J'y vais, moi aussi? Ben, voyons donc. Tiens, je voulais attendre avant de te donner, mais là... Oh, merci! Eh, voyons, Néné, penses-tu que je t'ai pas allé voir ta soeur, Chloé, puis te laisser ici, là, voyons, ton Ah, ben, qu'est-ce qu'elle fait ici, ma boule de séduction? Ouais, je pense que c'est à mon tour de passer aux aveux. Mais c'est bon, juste parce que... Parce qu'on voulait absolument nettoyer les miroirs. Regardez comme elle est belle. Et elle fonctionne très bien. En consultant la zone des bannis, tu peux télécharger leurs chansons et regarder les vidéos de leurs meilleures performances. Demain à Ramdam. Est-ce que tu connais la tradition avec le bouquet de Guy? Ouais. Ramdam, du lundi au vendredi 18h30 au midi à Télé-Québec. Participe au concours Plié en 4 et envoie-nous ta capsule vidéo humoristique. Tous les détails sur le site internet de Ramdam.